Thierry Marx pour Moteur. Pas beau, pas grand et large. Boulanger. Il y avait beaucoup de monde qui m'inspirait. La lecture de Miyamoto Musashi, c'était un personnage comme ça que j'avais fantasmé dans l'histoire du Japon. Jean-Paul Koch en judo. Ça, vraiment, c'est des gens qui m'inspiraient vraiment beaucoup. Je pense que les jeunes m'inspirent beaucoup parce que je les trouve enthousiasmants par moments, même quand ils rencontrent des difficultés. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec Clarisse Agbenenou. J'ai adoré. J'ai passé du temps avec José Garcia il n'y a pas très longtemps et je vois un monsieur formidable. Donc tous ces gens-là m'inspirent, me font réfléchir aussi des fois sur ce qu'il y a à faire pour cette planète. C'est des gens qui m'ont appris à ne pas miser sur la stratégie du bouc émissaire en considérant que tout était de la faute des autres. En me disant mais regarde devant toi, regarde s'il n'y a pas un projet pour toi. Et avance et arrête de te plaindre. Les responsabilités qu'on devait prendre, elles nous appartenaient. J'ai osé aller au club de judo de Champigny-sur-Marne. C'était un quartier très compliqué dans lequel j'étais et il fallait y aller à pied. Je n'étais pas très rassuré et puis je ne sais pas ce qui allait m'arriver dans ce club de judo. J'ai aimé, j'ai continué à y aller et je pense que ça a été une première pièce maîtresse de ma vie. Je vais vous dire ni l'un ni l'autre. Quand on se croit en situation d'échec, il faut se dire c'est une opportunité. Je vais m'arrêter 2 secondes, je vais regarder ce qui s'est passé, je ne vais pas m'affoler et je vais dire tiens ça c'était pas bien et ça c'était bien. Et je vais me rappuyer sur ce qui est bien. Et quand on a de la réussite, quand on a de la lumière, eh bien il faut se dire c'est pas durable. Il va falloir continuer à travailler parce que cette lumière elle peut le passer. C'est comme le jour et la nuit. Claude Deligne au restaurant Le Taïwan, Joël Robuchon bien sûr et Paul Bocuse. Ce sont des gens qui m'ont aussi donné le goût de la qualité, de ne pas croire à la médiocrité. Ça va le faire. Ça va le faire, te casse pas la tête, ça va le faire. Non, ça le fera pas. Le sens de l'honneur, la persévérance, l'humilité. J'aimerais encore avoir un peu plus de patience. J'ai aimé l'esprit de Bonaparte, issu du rang finalement, le général de Gaulle je pense, et puis Simone Veil. C'est des gens qui ont appris à ne pas baisser les bras. Savoir être pour durer. Crois en toi. La solution est en toi. Je pense que c'est un tronc commun qu'on doit proposer aux jeunes, disant « crois en toi, crois en ton projet, tu vas y mettre la rigueur qu'il faut ».